Oui, alors c'est un vieux débat pour lequel il y avait déjà eu une étude, la première étude en France sur ce sujet. Elle a été publiée en 1976 et les résultats de cette étude disaient déjà que la migration rapportait plus qu'elle ne coûtait parce que les migrants arrivent en général adultes ou presque à l'âge adulte, donc ils n'ont rien coûté pour leur éducation ou leur santé avant 20 ans. Ensuite, souvent, ils repartent dans leur pays sans toujours le mentionner à la retraite, où ils font des allers-retours. Donc la plupart des migrants sont un taux d'activité plus important que les nationaux. Et l'autre raison, c'est qu'ils acceptent des métiers moins qualifiés pour tout de suite entrer sur le marché du travail. Et bien sûr, ce sont des consommateurs, quel que soit leur statut, même s'ils sont sans papier, demandeurs d'asile. Au moins, ils payent la TVA, mais également donc, les impôts indirects, mais les impôts directs souvent aussi, parce que s'ils veulent se faire régulariser, il faut faire état de ces impôts. Donc, toutes les études convergent, et ça a été réétudié par l'économiste Mouhoud El Mouhoub, qui confirme exactement la même chose. Et un autre petit livre qui a été fait par Lionel Rago conclut également à la même affirmation. Donc la migration rapporte plus qu'elle ne coûte pour les pays d'accueil, mais aussi pour les pays de départ, parce que les migrants envoient des fonds chez eux. Aujourd'hui, on est à autour de 540 milliards de dollars annuels envoyés par les migrants dans leur pays d'origine. Et un migrant qui part de chez lui pour migrer à l'étranger, il y avait une étude qui avait été faite par Harvard qui montrait qu'il multipliait par 7 ses revenus. Donc la migration rapporte économiquement. Alors ça, c'est un très, très, très vieux débat, beaucoup plus ancien. Dès le milieu du 19e siècle, c'était un débat. Même si on regarde Germinal de Zola, des ouvriers français de la mine considéraient que les Belges allaient les concurrencer sur le marché du travail. Donc c'est un très, très vieux débat. Et en fait, on s'aperçoit que non. Parce que, d'une part, le marché du travail, surtout aujourd'hui, est extrêmement segmenté. Ce qui fait que les migrants viennent dans des catégories d'emplois qui ne sont pas sollicitées par les nationaux. Et on l'a vu pendant la Covid, on est plutôt dans une situation inverse, c'est-à-dire quand l'économie s'arrête, on s'aperçoit du travail qui a été réalisé par des migrants, le plus souvent, les métiers, les 3D, comme disent les Américains, dirty, difficult, dangerous. Et ce sont des métiers qui sont délaissés par les nationaux, y compris en situation de chômage. Le taux de flexibilité de la main-d'œuvre nationale par rapport à la main-d'œuvre étrangère n'existe pas parce que les nationaux ne veulent plus définitivement de ces emplois-là. Donc il est faux de dire, comme le disait Jean-Marie Le Pen, 3 millions d'étrangers, 3 millions de chômeurs. Donc vous comprenez l'équation. C'est complètement faux. La migration vient contribuer d'ailleurs à un marché du travail. Dans une économie libérale, c'est l'emploi qui crée l'emploi. On n'est pas dans un nombre d'emplois fixé. Ce que croyaient ou ce que disaient parfois certains syndicats pendant l'entre-deux-guerres, y compris ceux qui croyaient à l'économie complètement dirigée, le nombre d'emplois dépend de l'économie libérale. Donc en fait, l'emploi crée l'emploi. Bien sûr que non. Je rappelle un peu l'histoire de cette thématique. D'une part, il y avait un démographe des Nations Unies qui avait fait simplement des scénarios démographiques pour les pays en déclin ou en stagnation démographique. Donc il parlait de l'Europe, de la Russie, du Japon. Et il avait présenté 5 scénarios sans immigration pour rééquilibrer la pyramide des âges, pour répondre aux besoins du marché du travail et pour équilibrer la part des actifs par rapport aux non-actifs. Donc il proposait des chiffres qui n'ont rien à voir, bien sûr, à la migration que l'on a aujourd'hui, bien supérieure. Et cette étude très sérieuse, en fait, a été publiée par une revue américaine et avec le terme de grand remplacement. Et en fait, ce terme, qui est une notion économique, a été utilisé par l'idéologue Renaud Camus, qui dit c'est un grand remplacement culturel que nous allons avoir.
on va avoir la Reconquista à l'envers, c'est-à-dire les musulmans, les arabes, les maghrébins, les africains, etc., vont remplacer la population européenne. Si on regarde la proportion des étrangers et des migrants dans les pays européens, puisque c'est l'exemple qui est donné dans cette peur du grand remplacement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est à peu près à 10%. Donc il ne s'agit pas, bien sûr, des nouveaux arrivants qui vont transformer aussi bien la part de la population dans les pays d'accueil, entre guillemets, et qui vont transformer la culture dominante des pays d'accueil. Et à cette idée se joint une idée à laquelle beaucoup adhèrent, à laquelle François Héran, d'ailleurs, au Collège de France, avait répondu dans les textes qui accompagnent ses conférences sur le livre de Stephen Smith. Stephen Smith, qui avait écrit un livre sur la ruée vers l'Europe et qui montrait que, compte tenu de l'activité démographique importante de l'Afrique subsaharienne, de la jeunesse de la population, du fait que beaucoup rêvaient à cause des médias de l'Europe, on allait avoir donc non seulement une population débordante en Afrique subsaharienne à la fin de ce siècle, et en même temps, la plupart viendraient en Europe, ce qui est complètement faux, parce que la plupart des Africains migrent en Afrique, c'est beaucoup plus facile, c'est moins dangereux. Donc on a 26 millions de migrants africains en Afrique, il ne faut pas l'oublier, et l'Europe est une des destinations parmi d'autres. Pour beaucoup, c'est le Golfe, qui est d'ailleurs la troisième destination migratoire dans le monde, qui est, surtout pour les gens d'Afrique de l'Est, la destination privilégiée. De plus qualifiés vont vers le Canada ou les États-Unis. D'autres commencent à aller en Chine pour faire du commerce, puisque les Chinois sont en Afrique, etc. Donc l'Europe n'est qu'une des destinations des Africains. Donc on ne va pas être envahi par les Africains, qui ne vont pas transformer complètement, comme le croient certains, la culture européenne. Mais c'est vrai qu'il y a des endroits où on a une plus grande mixité sociale et culturelle, mais c'est vrai de toutes les grandes capitales du monde. C'est l'effet Gare du Nord, si j'ose dire.